Lafayette me promet une armada légendaire et un commandant sans égal. Et voilà que je suis accueilli par un vieux rafio et un enfant déguisé. Vous n'aurez besoin de rien d'autre, amiral. Permettez-moi d'en douter, mais je ne puis faire la fine bouche. Et les vaisseaux que j'ai demandés? Ils sont à vous, si nous survivons à ceci. Et qu'attendez-vous donc de moi? Tenez la baie pendant que j'engage leur escadre. Si des navires anglais approchent, pulvérisez-les. Ils ne doivent pas rejoindre Yorktown. Il bouge!
fort. Ils vont venir. Nous devons tenir la baie jusqu'au bout. C'est de la folie! Vous êtes seuls et nous n'avons aucun renfort. Ce monstre va nous couler. Toute la toile!
J'ai entendu dire que vous avez coulé ce manoir à vous seul. Lafayette n'avait donc pas surestimé vos talents, jeune homme. Comme promis, mes navires sont à vos ordres. Quels sont-ils ? 5 navires doivent entrer dans le port de New York, sous pavillon anglais. Mais attendez, je pensais qu'il fallait éliminer des pirates ou transporter des marchandises. Mais vous nous demandez, quoi donc ? Bombarder New York ? Non. Bien sûr que non. Ah ! Une partie seulement. Expliquez-vous. Je dois infiltrer Fort George, mais l'endroit est trop bien gardé. Vos boulets de canon briseront ses murs et chasseront ses gardes. Et un navire sous pavillon français ne pourrait en approcher. Vous avez compris ? Pas du tout. Mais une promesse est une promesse, même si elle a été offerte à un démon. J'allumerai un feu pour vous indiquer quand attaquer. Vous avez entendu ? Récupérez leur pavillon que nous les hissions. Allez, vite ! Bonjour, Connor. Content de te revoir. Tout est bien en place ? Oui. Lafayette t'attend dans le tunnel qui court sous la ville.